naître à Reims et passer toutes ses vacances en Bretagne, obtenir son bac à 15 ans, devenir papa à 16 et écrire son premier roman à 17, être jeune giscardien, ajouter à son nom une particule faisant plus breton, présenter son premier JT sur Antenne 2, mesdames, messieurs, bonsoir, mais trouver le poste de sa vie à TF1, devenir un guignol de l'info, interviewer Saddam Hussein, faire semblant d'interviewer Fidel Castro, être coupé à l'antenne en pleine interview d'un prix Nobel. Dans un instant. Quelle une honte, connard. Aller au tennis avec les copains. Quitter le JT en parlant breton. Et comme on dit en Bretagne, adieu Vat. Avoir écrit une soixantaine de livres mais être accusé de plagiat. Retourner faire un tennis avec les copains. Oh, le couillot. Avoir 65 ans, être Patrick Poivre d'Arvor.